Bonjour. Plusieurs personnes lors des conférences m'ont demandé pourquoi l'équipe avait choisi l'homme de Vitruve comme symbole ayant des ailes et un serpent. L'homme de Vitruve est célèbre car le personnage de Léonard de Vinci l'a créé. Nombre de questions et d'encre ont coulé sur ce personnage. Il est repris évidemment par plusieurs groupes qui prônent différentes disciplines et techniques. La constitution du personnage doit être parfaite. Il y a un symbolisme sur la constitution complète du corps humain, mais également une réponse à une demande qui a été faite il y a très longtemps. L'homme de Vitruve reste parfois énigmatique. L'ensemble des codifications qui s'instaurent, tels le cercle, le triangle, le carré, est presque subjectif à une ouverture de vortex et surtout d'esprit. Cette petite vidéo audio n'est pas pour disséquer l'ensemble de cette œuvre. Juste le retour à notre symbole. On entrevoit bien sûr le personnage inclus dans un cercle. On y voit aussi cette phrase de Human Theory. Pour cette phrase de Human qui sort sur un titre anglais, une théorie qui termine par un mot français. Ce n'est pas une faute. En réalité, c'est surtout le désir d'exprimer ceux et celles qui, dans l'ensemble d'une alliance, resteront. Après le grand événement, ce cercle que nous voyons est très souvent une forme géométrique qui s'adapte à tout. Ce cercle représente bien des symboles, bien de recherches aussi, des sphères qu'on trouve un peu partout, dessinées dans les champs, des sphères énigmatiques de pierre qu'on retrouve à gauche ou à droite dans différents pays, des cercles lumineux qui se baladent parfois au-dessus de nos têtes. Un cercle précis qui ouvre une porte sur le temps. Notre personnage aussi semble avoir des ailes.
les quatre bras qui sont représentés ressemblent curieusement à un battement de bras avec ses ailes, rappelant le symbolisme d'Icare. Ou peut-être ce programme que très peu connaissent, le programme Icare. Ce programme qui fait face au dernier événement. L'événement où tout le monde se pose la question. Est-ce que le réchauffement climatique, c'est vrai? Ou alors c'est une grande invention? Je laisse ça aux grands savants et aux experts du réchauffement climatique. Le projet Icare, lui, rassemble de plus en plus de technologies de tout pays, même s'il y a conflit. On rassemble tout, les idées, toutes les technologies, afin de créer véritablement la grande arche. Bien sûr, le cinéma, les feuilletons et ainsi de suite reviennent toujours et sans cesse. Il faut toujours un petit peu de vérité, beaucoup de mensonges pour endormir les moutons. Notre personnage bat des ailes. Mais il est enfermé dans ce cercle, tel le serpent qui se mord la queue et qui l'emprisonne. Pourtant, le serpent est prison au centre, décrivant pas véritablement le malin. Mais le serpent a une présence et un symbolisme important. La science, le médical, car la science, la médecine interagit surtout dans les expériences de mort imminente. Il y a un W. Ce W qu'on remarque partout dans beaucoup de symboles, et surtout de nos jours qui commence à apparaître, curieusement. Hasard. Ouf. Le hasard n'est que la signature de la certitude. Ce W qui est présent dans les époques, qu'on retrouve judicieusement et bien placé parfois aussi encore et toujours dans des films, dans des feuilletons, dans des grands personnages qui ont joué un rôle important dans ce monde. Ce W, je l'ai choisi aussi en fonction d'une demande, ni d'une volonté de surpasser un ego, absolument pas. Le symbole était là avant et sera après mon passage. Il est souvent présent pour désigner des messages. Ce symbole où on voit distinctement deux petites cornes qui outrepassent la tête de notre personnage, qui dans un ultime symbole exprime peut-être le diable ou véritablement l'ensemble de cette fonction. Car le personnage semble être un ange et un diable en même temps, tel le yin et le yang que nous avons tous à l'intérieur de nous. Tel le noir et le blanc qui s'accordent et qui ont difficile parfois à se séparer. Ce n'est pas un symbole occulte, loin de là. Justement, il est extrêmement expressif et clair pour ceux qui lisent les symboles. The Human Theory peut apporter des réponses.
ces réponses ne sont pas toujours les sujets qu'on rentre, qu'on lance, qu'on ressent cesse à gauche, à droite. Je fais un bouquin, je fais une affiche, je fais ceci, je fais cela. Non, nous essayons de toucher des questions précises. Pourquoi depuis des siècles on occulte l'esprit des gens? Pourquoi on instaure une société qui lui donne des rêves, des cauchemars, qui lui donne l'envie, la sensation d'être libre? Je ne suis pas dans un cadre pessimiste. Tout le long de mon existence, moi qui ne croyais pas au paranormal, à l'irrationnel, j'ai eu cette chance, comme tant d'autres, de regarder derrière l'image. L'image où on me donne des phénomènes irrationnels, curieux, bizarres, où on alimente mon ignorance, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes qui m'ont dit, mais regarde derrière l'image. Tels les guerriers pacifiques, les véritables guerriers pacifiques, qui rencontrent un personnage énigmatique au détour d'un chemin ou dans une station ou dans un magasin et qui lui dit, c'est toi maintenant qui prends le relais. Telle une carte jetée sur une table d'un valet de carreaux. Le symbole avec cet homme, avec ses ailes, avec ce serpent. C'est nous. Chacun d'entre vous est ce symbole. Où il peut faire le bien et où il peut faire le mal. Où il peut croire aux anges ou au diable, où il peut croire la technologie d'Icare et bien d'autres technologies, et croire par le serpent la science. Les deux s'entrechoquent et sont prisonniers dans ce cercle, comme le serpent qui se mord la queue. Tel le tableau de Léonard de Vinci, La Seine. Dans ce tableau, beaucoup d'émotions y sont, de gestes, de précision. Mais si nous sommes dans ce cercle, prisonniers un peu de ce cercle, qui, comme le tableau de Vinci, qui nous regarde pendant que nous essayons de comprendre, qui nous observe. Ce sera à vous de trouver la réponse, soit un ange, soit le diable, ou la science. Pour ma part, j'ai la réponse. À bientôt.